Salut les gars, c'est le Sensei. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve en direct de l'Épitanime. L'Épitanime. Grosse nocturne, manga anime. Du coup, on va voir comment ça se passe. Tu connais, nouvel épisode du Sensei en roue libre. On va bien s'amuser. C'est parti, let's go. Party pig, we party shot. We get the party locked. Doctor or a big six shots. Turn madman when I get pissed off. They see madman and they're casking off. They're mashing my hand, make your car lift off. 4-4 bulldog and it's barking off. Spot my target, then I'm flying off. Michael Jackson bad. What in my brain? Bread and gold is ready. Ready this time. Toujours en direct de l'Épitanime, la nocturne qui se trouve à Port d'Italie. Donc, du coup, elle se trouve en direct de l'Épita. On va faire un petit tour du propriétaire avec moi. Du coup, c'est parti. Donc, tu peux voir là de ce côté-ci un très sympathique loup-garou qui se passe. Quelques petits débats manga, animé, Pokémon qui se trouvent juste ici. Voilà. Tu prends un peu la température. Tu vois un peu comment ça se passe, il y a du cosplay, il y a de la bonne humeur, de la convivialité. Des gens qui arrivent derrière moi sans que je voie, j'ai pas senti la pression spirituelle, c'est facile, je suis tourné. Du coup, on est reparti. Donc toujours à Alpita, donc là il y a beaucoup plus de calme et de sérénité. Donc du coup, incroyable ce qui se passe ici. C'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de gens. これは一体何なんだ？Tout aussi intéressant. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez me citer, pardon, cinq jeux traditionnels? Et tu peux faire un ensemble de ça, surtout de ce côté-ci, qui a été très important. Et du coup, voilà. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître tous les jeux traditionnels japonais qui sont présents ici? Celui-ci est très mignon, mais je ne le connais pas. Attendez, attendez, juste. Abattre Monsieur Shikamaru Nara au Shogi. Les vrais ont reconnu Ikari Nogo, l'anime de génie. Là, tout ce que j'ai à vous dire que c'est des dés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je continue de faire un petit tour en direct de l'Épitanime. Très sympathique. Il y a des gens qui dessinent de ce côté-ci. Ça a l'air très sympathique aussi. Voilà. Bonjour, c'est moi. Comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va. C'est gentil. C'est très... Ça a l'air très sympathique ce que tu dessines. Ça a l'air très sympa ce que tu dessines. Il n'y a pas de souci. Le coup de crayon est très travaillé. J'apprécie. Tu peux regarder qu'il a fait ce coup de crayon au stylo, en plus au stylo, en moins de 5 minutes. Au stylo en plus. Au stylo. Fais un petit zoom là-dessus. Au stylo en plus. Au stylo. Au stylo. En moins de 5 minutes. On fait pas de bruit ici, on fait pas de bruit ici. Je sais pas si
Tiens, on va donner aussi de la force à des gens. Je sais pas qui. Il y a la personne qui a dessiné ça. Bah, du coup, il y a son Twitter. Sache que je vais te suivre à partir d'aujourd'hui. Et je vais te suivre toi aussi à partir d'aujourd'hui. Et je vais te suivre toi aussi. Je suis tout le monde parce que je vous aime tous. Vous êtes des bons. C'est parti. Et c'est très mignon d'avoir mis le truc mignon sur un écran blanc. C'est une très bonne idée, ça. C'est mignon d'avoir mis un écran blanc. C'est le rétroprojecteur. C'était la blague de l'année. On y va. Totalement en direct d'Epitanime. Regardez full VR. Regardez totalement en immersion. Hop. L'avantage de du PSVR, d'ailleurs il y a le 2 qui va sortir dans pas longtemps, c'est que tu peux faire un peu tout et n'importe quoi. Non, du coup là on est sur le coin jeu vidéo de l'Epitanime. Comme tu peux le voir, il y a du retro game, il y a la Wii U. La Wii U, un top flop. Un top flop la Wii U. Du coup là-bas, est-ce que vous avez reconnu cette console? Est-ce que vous avez reconnu cette console avec Dr Mario? Est-ce que vous l'avez reconnu? Incroyable. On continue avec la console de l'époque de nos grands frères. L'époque de nos grands frères, incroyable aussi. Quelle concentration, quelle intensité, quelle intensité, incroyable. Merci pour les travaux, c'était génial.